vous avez pu constater sur le site nachmanmoumoine.com, depuis quelque temps, il y a une rubrique maintenant qui s'intitule e-book. Ce sont des livres électroniques que nous pouvons télécharger afin de les mettre sur nos téléphones portables, les iPhones et les autres Android. Et en particulier, on a une rubrique qui est Tikkun HaKlali, un livre qui s'appelle e-book Tikkun HaKlali en multilingue. C'est-à-dire, il y a de l'anglais, il y a de l'espagnol, du français, du phonétique, en hébreu également. Et beaucoup de gens nous ont demandé qu'est-ce que c'est que Tikkun HaKlali finalement. On voit que c'est dit Tehilim, mais on n'a pas bien la portée et de l'importance de ce que peut être ce Tikkun HaKlali. Donc aujourd'hui, je suis venu vous voir pour vous parler, pour vous lire une sicha dans le livre Propos en français, Sichotaran en hébreu, où là on va voir comment, quelle est l'importance de réciter Tikkun HaKlali. C'est Rabbi Nathan, l'élève de Rabbi Nachman de Breslev, qui a retranscrit cette discussion avec Rabbi Nachman. Et on voici le contenu. Mais tout d'abord, avant toute chose, je vais vous définir, parce qu'on va parler à un moment donné dans cette sicha de semence en vin. Qu'est-ce qu'on appelle semence en vin? Donc je voudrais vous lire un passage de la même sicha que je remettrai dans l'ordre à la lecture, en suivant la lecture, en cours de lecture. Mais en préambule de cette discussion, voilà ce que c'est que la définition d'une perte de semence en vin. C'est Rabbi Nachman qui le dit comme ça dans les mots. Sachez que ces 10 Tehilim, ces 10 psaumes, constituent un remède extrêmement efficace en cas d'écoulement nocturne. Il parle d'écoulement nocturne. Et permettent de réparer totalement les dommages spirituels en résultant. Alors il va nommer maintenant quels sont ces cas-là d'écoulement. Ces cas d'écoulement peuvent survenir à la suite d'un excès de table ou de boisson, ou à la suite d'un état de faiblesse ou de fatigue, ou encore en raison d'une mauvaise position lorsqu'on dort. Mais en fait, tous ces cas sont bénins, comparables au cas d'un enfant souffrant la nuit d'incontinence. Il peut également arriver que certaines personnes aient été protégés par le ciel ou par leur signe astral et y ont échappé. Et il peut également arriver que quelqu'un se voit tomber dans un rêve et se réveille brusquement. Dans ce cas aussi, il a été sauvé par le ciel. C'est uniquement dans le cas où cette chose arrive à quelqu'un en raison de pensées malsaines qu'il va créer des forces impures, comme cela est rapporté dans les livres. Et s'il récite le jour même les 10 Tehilim en question dont on va parler maintenant, il aura la garantie de remédier énormément à ce dommage. Donc on va traiter de perte séminale en vin. Et, nous dit Rabbi Nachman, les écoulements nocturnes. Et là on est en train de parler de fautes qui sont faites avec le Brit, avec l'alliance qu'on a contractée avec Hashem Yitbarach. Dieu a contracté une alliance avec le Am Israël, entre Am Israël et lui, et c'est la Brit Mila. Donc, si on a un écoulement provenant de la Brit Mila, du Brit, de l'alliance sainte entre nous et Hachem, alors on a fauté très très lourdement. Alors maintenant on va reprendre la discussion dans le bon sens, depuis le début. Donc c'est Rabbi Nathan de Breslev qui rapporte cette discussion. Rabbi Nathan de Breslev était l'élève principal de Rabbi Nachman. Il a été son élève durant 8 années, les 8 dernières années de la vie de Rabbi Nachman. Et il a été son scribe sur l'ordonnance de Rabbi Nachman. Rabbi Nathan était son scribe. Donc il a tout rapporté, tous les livres que nous avons aujourd'hui à notre disposition. C'est tous les écrits de Rabbi Nathan de Breslev. Alors voilà comment il avance la chose. Il commence comme ça. Rabbi Nathan dit, il est rapporté dans l'enseignement 92 du Likuté Moharan, deuxième partie, qu'en cas d'écoulement nocturne, le remède est de lire 10 psaumes. Et comme enseigné dans l'enseignement 205, voici les 10 psaumes qu'il faut réciter. Sache mon frère qu'au départ notre maître dispensa l'enseignement qui débute par la réparation des écoulements nocturnes, comme cela figure dans l'enseignement 205. Et lorsqu'il a commencé à dévoiler cet enseignement, je ne me trouvais pas en sa présence. Or Dieu m'a donné le mérite de venir chez lui peu de temps après. L'un de ses disciples me rapporta l'enseignement tel qu'il l'avait entendu de sa bouche sainte. Sur ces entrefaits, Dieu a fait que j'en ai parlé à notre maître, qui me le répéta brièvement, tel qu'il figure dans la leçon évoquée. Lorsqu'il dévoila cette leçon,
il ne nous communiqua pas quels étaient les Tehillim en question, les psaumes en question, mais nous dit simplement qu'il fallait, afin de réparer la faute en question, réciter 10 Tehillim, 10 psaumes. Et je l'ai entendu dire de sa sainte bouche que c'eût été une bonne chose de dévoiler les 10 psaumes que l'on devait réciter, mais qu'en fait, quels que soient les 10 psaumes que l'on dise, ils sont à même de remédier à la faute en question. Car 10 psaumes, quels qu'ils soient, sont dépositaires des 10 mélodies différentes qui constituent le remède à cette faute. Et lorsqu'il dévoila cet enseignement, il nous fit d'abord savoir que la première mesure à prendre est l'immersion dans le bain rituel, au mikvé. Et il s'exprima en ces termes. La première chose, c'est d'aller au bain rituel, au mikvé. Ensuite, il nous révéla que le remède était de réciter 10 psaumes, 10 Tehillim. Il nous révéla à une autre occasion que celui qui est devenu impur doit bien faire attention à se tremper dans le bain rituel, au mikvé, le jour même où il a été l'objet d'un écoulement. Et même s'il n'a pas pu se tremper le matin, il doit veiller à se tremper dans la même journée, voire même à la fin de la journée. Car il est très important de se tremper dans le bain rituel, au mikvé, le même jour. Voire à la fin des comptes, où il est rapporté que c'est une très grande chose de se tremper tout de suite. Par la suite, continue Rabbi Nathan, après que 4 années environ se soient écoulées, que des milliers de parchemins ne suffiraient à raconter, alors qu'il avait déjà contracté la maladie qui devait l'emporter et était revenu de Lemberg, il revint sur ce sujet. Là, on est en train de parler de la maladie de Rabbi Nachman, qui a attrapé la tuberculose à l'époque, puisqu'il est décédé en 1810, et à l'époque, il y avait de grandes épidémies de tuberculose. Donc c'est de ça dont il s'agit. Cela se passa un jour d'hiver. Il était allongé sur son lit et nous nous tenions devant lui. Il se mit à parler du sujet des 10 Tehillim, des 10 chapitres de psaume, remède à la faute évoquée précédemment. C'est alors qu'il m'ordonna de transcrire les versets dans lesquels il est fait allusion aux 10 mélodies qui constituent la réparation à cette faute. Je m'assis pour écrire. Il m'énonça de sa propre bouche et me révéla les versets que je mis par écrit tels qu'ils figurent dans le Likuté Moharan, leçon 92 du deuxième tome, Kinyana. Puis il nous fit savoir qu'il avait l'intention de dévoiler quels sont les 10 psaumes qu'il faut réciter le jour même où l'on est devenu impur. Nous attendions avec impatience qu'il nous les révèle, mais nous n'avons pas eu le mérite que la chose se fasse tout de suite, puis nous l'avons quitté. Il m'est arrivé par la suite de me trouver chez lui un Shabbat, et Dieu m'a amené devant un manuscrit écrit de sa main, dans lequel il avait déjà consigné ses 10 Tehillim, les 10 psaumes que l'on doit lire. Mais il n'était pas question que je prenne le manuscrit sans lui demander permission, car c'eût été une entorse à la bienséance. Je voulais au moins les inscrire dans ma mémoire, mais je n'y suis pas parvenu à cause de la crainte que j'ai ressentie envers mon maître. Je craignais qu'il me tienne rigueur d'avoir pénétré dans sa chambre, d'avoir trouvé le manuscrit en question et de l'avoir examiné sans son autorisation. Et cet épisode-là eut lieu le Shabbat Shekalim 5570 en 1810. Donc c'était les derniers moments de vie de Rabbi Nachman de Breslev, entre parenthèses, puisqu'il est décédé cette année-là, à l'âge de 38 ans et demi. Notre maître venait de quitter sa chambre pour se rendre dans la grande pièce au moment de la lecture de la Torah. C'est alors que je suis rentré dans sa chambre et que j'ai vu le manuscrit. Le dimanche, au moment de prendre congé de notre maître pour retourner chez moi, je lui ai parlé du sujet et je lui ai demandé de me dévoiler les 10 Tehillim en question, ces 10 psaumes en question, étant donné que je savais qu'ils avaient déjà été mis par écrit et qu'ils se trouvaient en sa possession. Or, il me dit qu'il fallait attendre une autre occasion. Et là-dessus, je partis de chez lui, me rendant chez moi. Peu de temps après, alors que je me trouvais chez moi à Nemirov, il révéla l'identité des 10 Tehillim, les 10 psaumes, au rabbin de Breslev, au Rav de Breslev, et à mon ami Rabbi Naftali de Nemirov. Il les prit tous les deux à témoin, et à ce sujet, il est pris comme témoin à ce sujet, et voici ce qu'il leur dit. Étant donné qu'en ce qui concerne l'affaire en question, les écoulements nocturnes, pour le moins 3/4 de la gente humaine se laisse prendre au piège, je vous prends comme témoin.
Sachez que ces 10 Tehillim constituent un remède extrêmement efficace en cas d'écoulement nocturne et permettent de réparer totalement les dommages spirituels en résultant. Ces cas d'écoulement peuvent survenir à la suite d'un excès de table ou de boisson, ou à la suite d'un état de faiblesse ou de fatigue, ou encore en raison d'une mauvaise position lorsque l'on dort. Mais en fait, tous ces cas sont bénins, comparables au cas d'un enfant souffrant la nuit d'incontinence. Il peut également arriver que certaines personnes aient été protégées par le ciel ou par leur signe astral et y ont échappé. Et il peut également arriver que quelqu'un se soit vu tomber dans son rêve et se réveille brusquement. Dans ce cas aussi, il a été sauvé par le ciel. C'est uniquement dans le cas où cette chose arrive à quelqu'un en raison de pensées malsaines qu'il va créer des forces impures comme cela est rapporté dans les livres. Et s'il récite le jour même les 10 Tehillim en question, les 10 psaumes en question, il aura la garantie de remédier énormément à ce dommage. De nombreux justes notoires se sont penchés sur ce problème et se sont efforcés d'y trouver une solution définitive. Certains n'avaient encore aucune idée de la solution des 10 Tehillim, mais certains ont commencé à percevoir que c'était là la bonne direction, mais ils disparurent au milieu de leur entreprise. Quant à moi, dit Rabbi Nachman, grâce à l'aide de Dieu, j'ai réussi à aller jusqu'au fond des choses. Le remède qui consiste à réciter ces 10 psaumes est une découverte absolument nouvelle. C'est un élixir extraordinaire et inouï. Celui qui aura la possibilité de se tremper dans le bain rituel au mikvé avant de les avoir prononcés, cela est une très bonne chose. Mais même si quelqu'un en est empêché, par exemple, s'il est malade ou s'il est en route, en voyage, s'il a dit les 10 Tehillim, il doit s'estimer heureux car il s'agit d'une réparation qui n'a pas de prix et dépasse l'entendement. Et si on les a prononcés avec l'intention adéquate, c'est encore mieux. Mais leur simple récitation est d'un grand effet. Et il ajouta que depuis que le monde a été créé, le remède à l'écoulement. Et il a ajouté que depuis que le monde a été créé, le remède à l'écoulement nocturne n'a jamais été révélé. En ce qui me concerne, continue Rabbi Nachman, j'aurais aimé éliminer totalement ce phénomène. Mais cela est impossible, ni sur le plan physique, ni sur le plan spirituel. En effet, cela demanderait que l'on supprime ou que l'on change à tout jamais la nature de l'ensemble de l'humanité, et c'est une chose impossible à réaliser. Car même Moshe Rabbeinu ou d'autres justes notoires, lorsqu'ils ont changé le cours de la nature, ils ne l'ont fait que momentanément et de manière limitée, comme le miracle du passage de la mer Rouge ou le passage du Jourdain et autres miracles de ce genre qui ne furent que momentanés. Quant à supprimer certains aspects de la nature de l'ensemble de l'humanité, ce qui impliquerait que pour chaque être humain à son niveau, on soit obligé de supprimer ou de changer certains aspects de sa nature, et ce de manière perpétuelle. C'est là une entreprise impossible. Il en va de même sur le plan spirituel. Mais il n'en reste pas moins que la récitation des 10 Tehillim, des 10 psaumes de David, est un remède extraordinaire, d'une grande valeur et d'une efficacité sans pareil. Et il est pris, donc, comme témoin, on est en train de parler du Rav de Breslev et de Rav Naftali de Nemirov, et il est pris comme témoin et décréta que lorsqu'il arrivera à la fin de ses jours, tout celui qui viendra sur sa tombe récitera les 10 Tehillim en question et fera don d'une pièce de monnaie, même si qu'à Dieu ne plaise, ses fautes et ses péchés ont atteint d'énormes proportions, il fera l'impossible pour obtenir son salut et sa réparation. Il s'exprima de la sorte. Je m'étendrai en long et en large pour le sauver, et par sa chevelure, par ses péotes, je le tirerai pour le sortir du plus profond des enfers. Et il précisa que l'on peut prendre pour argent comptant tout ce qu'il a préconisé, mais qu'il était plus ferme que jamais quant à l'efficacité incomparable de la récitation de ces 10 Tehillim, de ces 10 psaumes. Et voici la liste des 10 Tehillim. Le 16, le 32, le 41, le 42, le 59, le 77, le 90, le 105, le 137 et le 150. Cette liste a été publiée plusieurs fois. Il faut signaler que celle qui a été publiée dans les comptes contenait une erreur d'imprimerie, car à la place du psaume 137 figurait un autre psaume, et cette erreur a été reprise par d'autres ouvrages et livres de prière.
Là, c'est entre parenthèses que c'est rapporté par Rabbi Nathan, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus trace de ces livres-là, à moins qu'il y ait des gens maintenant qui aient des vieux livres qui datent de plus de 200 ans. Mais les nouvelles éditions, les nouvelles imprimeries, les nouveaux contes de Rabbi Nachman ont été imprimés à nouveau, sans erreur. Donc les numéros des psaumes qui figurent là-bas sont les bons numéros. Et il nous dit de réciter ces 10 Tehillim dans l'ordre selon lequel ils figurent dans le livre des psaumes. Et il dit que cela constitue le remède universel, Tikkun HaKlali. En effet, à chaque faute correspond une réparation particulière, alors que les 10 psaumes ont un remède global. Donc, mesdames, entre parenthèses, c'est pas marqué dans le livre, c'est pas rapporté par Rabbi Nathan. Mais pourquoi nous dit-on souvent, régulièrement, les femmes viennent nous voir en nous demandant « Mais en quoi ça me concerne ?» Ça concerne tout le Ham Israël. Pourquoi ? Parce que c'est une réparation générale. Il vient mettre le doigt dessus, Rabbi Nathan, en disant « Vous savez, les psaumes de David, chaque psaume, quand on regarde les livres de Tehillim, en général, il y a toujours... Au niveau du numéro du Tehillim, 1, 2, 3, 4, 5, etc., il y a toujours la raison pour laquelle le Tehillim a été fait, le remède pour lequel on peut réciter ce Tehillim. Pour celui qui a mal à la tête, celui qui a mal au bras, quand on passe en justice, quand on a un problème avec un enfant, qu'on ne peut pas avoir d'enfant, etc. Mais là, il vient nous dire, Rabbi Nathan, que le Tikkun HaKlali, les 10 psaumes que nous a révélé Rabbi Nachman, c'est un remède général à nos problèmes. Donc, les enfants... Les hommes et les femmes sont tout à fait concernés par les 10 Tehillim qui sont Tikkun HaKlali. Je continue. Il nous enjoignit, donc Rabbi Nathan il dit ça, il nous enjoignit de diffuser et faire connaître à tout le monde les 10 Tehillim, et il ajouta, et bien qu'apparemment réciter 10 psaumes soit une chose facile, les gens auront du mal à le réaliser. Et nous pouvons malheureusement constater que sa prédiction s'est réalisée. En effet, en raison des controverses, la plupart des gens ne suivent pas la recommandation. Sa recommandation. Notre maître nous avait averti à l'avance qu'il en serait ainsi. En ce qui nous concerne, dit Rabbi Nathan, nous avons fait ce qui nous incombait et nous avons fait connaître l'existence de ce remède à tout celui désireux de remédier à ses fautes. Et chacun agira comme bon lui semble. Celui qui est prêt à nous écouter nous écoutera et celui qui ne veut pas s'abstiendra. En tout cas, en ce qui nous concerne, nous aurons sauvé notre âme. Et s'il est vrai que l'auteur du livre Sefer Tikkun Shabbat les rapporte dans cet ouvrage au nom du livre Asara Ilulim, ce n'est pas l'auteur de ce livre. Ce n'est pas l'auteur de ce livre qui les a découverts, car cher lecteur, si tu prends le livre Tikkun Moed, tu verras que l'on rapporte clairement les 10 Tehillim, les 10 psaumes, au nom de Rabbi Nachman de Breslev. Il figure également dans d'autres ouvrages, où il est bien spécifié qu'ils sont rapportés en son nom. Et si tu fais l'effort de chercher dans tous les livres où les 10 psaumes sont cités sans que le nom de notre maître soit mentionné, tu t'apercevras qu'ils ont tous été imprimés après sa disparition au cours des demi-fêtes de Soukhot le 18 Tishré 5571. Il se peut que le rabbin, auteur du livre précité et d'autres rabbins encore, étant donné leur désir ardent de faire bénéficier le plus grand nombre de personnes de la récitation des 10 Tehillim, et sachant par ailleurs qu'il existait des gens qui s'occupaient et qui s'opposaient à notre maître, prirent sur eux de dévoiler les 10 Tehillim, les 10 psaumes. Et ils appliquèrent ce qui figure dans le traité de Yevamot, 61b, c'est une Gemara. Il est permis de ne pas dire exactement les choses comme elles sont, si par là même, on contribue à l'entente entre les personnes. Surtout s'il s'agit de faire connaître une aussi grande chose. Et maintenant, il te sera facile de comprendre notre affirmation selon laquelle les 10 Tehillim constituent un remède totalement nouveau qui depuis la création du monde n'était connu de personne. Et quand tu les récites, dis-les au nom de notre maître Rabbi Nachman de Breslev, afin que ses lèvres murmurent dans sa tombe, etc. Voir le traité Sanhedrin 90b, c'est encore une Gemara. Car c'est une chose à laquelle tous les justes aspirent, et c'est la raison pour laquelle j'ai été contraint de dévoiler tout cela. Que son mérite nous protège, et qu'il nous aide à réparer toutes nos fautes, et nous sauve de tous nos tourments. Qu'il en soit ainsi. Amen. Alors voilà, on voit bien l'importance de ce que ça peut être le Tikkun HaKlali.
On a envie de supplier, de dire aux gens, allez-y, faites-le, faites Tikkun HaKlali. Ce sont simplement 10 Tehillim qui peuvent changer toute votre vie. C'est un remède général, c'est une réparation générale à la flotte la plus grave qui puisse arriver, qui puisse être dans la Torah. Et Baruch HaShem, Rabbi Nachman de Breslev est venu nous donner cette réparation-là. Alors que Bezrat HaShem par le sroud de Rabbi Nachman ben Fege, Rabbi Nachman ben Simcha, Rabbi Nachman Nachman Mouman, on est Bezrat HaShem, la force de pouvoir faire ces 10 Tehillim, si l'on peut chaque jour, si l'on peut chaque semaine, si l'on peut chaque mois. Et surtout, messieurs, vous qui avez entendu la promesse qui a été faite dans cette même sira, dans cette même discussion, l'importance de voyager à Ouman, parce que là, nous dit Rabbi Nachman que celui qui récitera ces 10 psaumes sur sa tombe sainte qui se trouve en Ukraine, alors il aura cette chance-là d'être complètement réparé de toutes les fautes concernant le Brit, l'alliance avec Dieu Tout-Puissant. Amen, ve amen. Nanach.